Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par des démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Je suis qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés. Ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par votre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main, là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses. Nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère Père, les enfants de Dieu, au nom de Jésus, fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans, il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans, il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas
pas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. L'esprit de mort au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche. Un homme qui souffre au niveau du rein gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Ayez la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur l'avant-bras gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont déjà enceintes. Je prie pour tous ces bébés qui sont dans le ventre au nom de Jésus. Je brise tous les liens sataniques. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur sur le sein gauche au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le doigt, sur la main gauche, sur l'index au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sentent beaucoup de douleurs sur le corps. Peu importe là où tu sens des douleurs, que ce soit sur le pied, que ce soit sur la main, mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent sur le corps. Vous avez des douleurs sur le corps. Mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur vous visite. Il y a une puissance de guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a deux filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Bientôt vous allez vous marier. Il y a une qui n'est pas encore engagée et une qui est engagée. Mais les mariages étaient bloqués. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme et deux hommes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. L'esprit d'adultère au nom de Jésus. Que ce démon d'adultère quitte ce foyer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Que cet esprit te quitte. J'ai dit que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la côte gauche, tu sens des douleurs au niveau de la côte gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Au nom de Jésus, tu es en train de vomir maintenant même. Pendant la prière, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toi qui sens des douleurs sur la gorge, c'est comme si c'est quelqu'un qui t'étrangle. Le Seigneur te délivre. C'est la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Au nom de Jésus, mets ta main sur le ventre, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Que cet estomac guérisse au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui sont tombées par terre. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces esprits fuient. Je vous ordonne de quitter le temple de
notre Dieu. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Je le répète, vous êtes libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce que le Seigneur est hâte de visiter beaucoup de femmes. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans sans enfant, le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Il a un enfant. Mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour la femme. Il y a une femme qui vient de prier. Tu as un bébé qui a moins de 3 mois. Ton bébé est menacé. Même les médecins te conseillent de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. Je détruis l'esprit de la mort qui plane sur cet enfant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de pancréas. Un homme qui souffre du pancréas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre des glandes thyroïdes. Une femme qui a un problème de glandes thyroïdes. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de la VC. Tu es sur un lit. Tu ne peux pas marcher. Mais je te dis de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que rien n'est impossible à toi. Tout ce que nous demandons avec foi, par la prière, nous le recevons. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, d'élever le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Pas parce que tu es enceinte, mais ton ventre est très gonflé. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu vas avoir la taille normale. Il y a une femme qui souffre du kyste ovarien. Tu as un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent du diabète. L'une des deux personnes prend même l'insuline. Le Seigneur vous guérit. Si c'est toi qui souffres du diabète, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur pour la guérison. Que tu sentes la manifestation ou pas, mais ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Mais il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Le diable n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Tous les liens sataniques doivent être brisés au nom de Jésus. Toi qui souffres de la tension artérielle, commence à louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Je détruis tous les plans de Satan. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Je te remercie le Seigneur pour la personne qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, le Seigneur te guérit. Toi qui as le virus du sida, tandis que tu as le virus VIH du sida, le Seigneur te guérit. Tu vas aller faire le test et ça sera négatif au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un enfant qui souffre des angines au nom de Jésus. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant et remercie le Seigneur pour la délivrance. Je demande à tous les enfants de remercier le Seigneur. Si tu es un enfant, tu es en train de prier avec moi et la foi que tu es guéri. Si tu n'es pas avec ton enfant, mets ta main sur le cœur et la foi pour ton enfant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui souffre de tumeur de l'utérus. Toi qui as le tumeur de l'utérus, la femme qui a le problème de l'utérus, on t'a dit que tu as une tumeur. Le Seigneur te guérit et on va rien trouver au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un homme qui est guéri, qui a un problème de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, que le dialyse cesse. Tu es guéri au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la femme. Il y a une femme qui souffre, qui a des douleurs. La dent te fait très mal. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Parce que c'est toi qui crée le chemin. Là, il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Je suis au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Que l'esprit de prostitution quitte ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la droite du Père au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination, toute puissance, tout esprit, tout nom qui peut se nommer, qui peut se
corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution, esprit d'ivrognerie, au nom de Jésus, esprit de fornication, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne, parce que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu contrôle parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés par la présence de Je suis. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent des bruits comme des animaux. Tu es en train de faire des bruits comme des animaux. Au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, s'il te prie pour un enfant et la foi. Garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Aujourd'hui tu es visité. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite et tu vas concevoir et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont dans ta prière. Si tu veux un enfant, même si tu as déjà eu un enfant, tu n'arrives pas à concevoir encore une fois, garde les mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte et on t'a dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissements. Tu vomis beaucoup depuis que je prie au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu priais, tu vomissais. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie, mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force, restaure sa puissance sexuelle au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a deux personnes qui sont guéries instantanément au niveau du dos au nom de Jésus. Recevez la puissance, la visitation au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale et la foi. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Parmi ces deux femmes, il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui, c'est fini. Ces mauvaises odeurs, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu pries avec moi et la foi au nom de Jésus, il y a deux filles qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Vous êtes guéri, vous êtes délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergie de la peau. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux, garde tes mains sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Reçois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent de diabète. Et l'une des deux personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Femme qui a mis la main sur le ventre, je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les, Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Chikenu. Tu es Rapha. Tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi, Seigneur. Merci pour ces délivrances. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais
jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu, ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas, ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré, tu es guéri. Il y a deux hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a deux filles qui font de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Deux femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, qui souffre de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a deux personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a deux hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tous les plans de Satan. Tous les plans de Satan de prendre la vie, de voler ses enfants. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu visites. Il y a des gens qui sont visités d'une façon spéciale. Au nom de Jésus, il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance, il y a une puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, ces démons qui sont dans ce corps, je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes, mais tu as des gris-gris dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre énormément sur l'avant-bras gauche. Garde ta main sur son bras.
guérira, parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es à la droite du Père, au-dessus de l'hypertension. L'hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genou fléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvrez la bouche. Ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 16 ans, le Seigneur te guérit, te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je prie pour cette personne qui souffre de synésite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffre de l'hépatite, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Le Seigneur guérit deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui sentent les manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants, les liens ancestraux, toi qui ne peux pas dormir la nuit. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui pleure. Tu pries pour ton enfant, mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus, que la main de Je suis soit sur tous les enfants. Merci Seigneur, merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie, un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Et un autre enfant qui ne fait que crier la nuit, et crie toute la nuit. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de cœur, tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de crises cardiaques. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a trois personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Alléluia. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, au nom de Jésus, tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, une fille qui attend le mariage. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Bientôt, tu vas trouver la personne qui va être ton mari. Cette année même. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu. Si tu as conçu, si tu as un enfant dans ton ventre, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toutes ces femmes, il y a au moins 3 femmes qui ont tout le temps des fausses couches. Que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants, au nom de Jésus, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Que la paix de Jésus soit avec ces enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus, que tous ces enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu as essayé d'arrêter l'alcool, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te libérer. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus, la puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sens des démangeaisons. Tout le corps. C'est la puissance
puissance de Je suis qui te visite. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui vont naître. Toi qui viens de passer 17 ans dans le mariage, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu ne sens rien physiquement, mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Je suis qui est sur toi. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus, toi tu viens de passer 10 ans. Une fois tu as conçu, mais l'enfant est mort. Tu as eu une fausse couche depuis plus de 5 ans. Tu n'as jamais conçu, mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître. Au nom puissant de Jésus, toi qui viens de passer 15 ans, que la puissance de Je suis soit avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant, même si tu as déjà un enfant, mais tu n'as pas pu concevoir, mets ta main sur le ventre et aie la foi. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui sont liés. Le commerce, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Tout est bloqué. Deux hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées, toi qui as créé le chemin dans la mer rouge, tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces deux hommes et cette femme qui sont liés, bloqués, qui soient débloqués au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur, je prie pour la guérison de cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a un problème de tension artérielle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent. Une maman qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête. Parce qu'il y a une visitation. L'ange de Je suis te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus. Et la foi. Le Seigneur t'a guéri. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, libère ces gens, Seigneur. Deux personnes qui sont en train de vomir. Seigneur, je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises et d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Je prise ces crises. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Parce que sur la croix, Jésus, tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrises, nous avons reçu la guérison. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre ta bouche. Le Seigneur t'a visité. Il y a deux personnes qui ont le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon, la douleur au niveau du talon. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un de problèmes respiratoires. Tu as des difficultés pour respirer. Aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus, que la maman garde ses mains sur cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'es pas mentionné ta maladie, ouvre la bouche. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire, garde ta main sur la poitrine et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Merci pour ces trois personnes. Parmi les trois personnes, il y a un homme et deux femmes qui sont délivrées de la dépression au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'émission qui est tombé par terre. Tu es déjà par terre au nom de Jésus. Tu trembles par terre au nom de Jésus. Le démon, je parle, je m'adresse à ces démons. Vous m'écoutez, je viens au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas nuire ma soeur au nom de Jésus. Sois délivré. Alléluia. Quitte son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci d'avoir sauvé cette femme. Toi qui es par terre, le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes, tu m'entends. Ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez, vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur veut vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves, tu vois des gens
gens qui veulent te tuer, ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi, ou des femmes qui couchent avec toi, mets tes deux mains sur la tête et la foi. Prononce le nom de Jésus, proclame la puissance du royaume de Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit, tu es sur le lit, tu souffres beaucoup, tu as beaucoup de douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus, reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets là où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci pour cette femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir si c'est toi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Et même toi, le couple qui vient de passer 9 ans sans enfant au nom de Jésus, vous allez concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 8 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches au nom de Jésus. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute, qui est lié, qui a de l'addiction à la cigarette, au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un petit enfant qui souffre des bronchites. Reçois la guérison au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher, prends la main de cet enfant. Que cet enfant marche. J'ai dit, prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Que cet enfant marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, aie la foi. Que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerfs sciatique. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer, si tu souffres du cancer, aie la foi au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme, un homme âgé qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme au nom de Jésus. Mets ta main sur le cœur et aie la foi au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Tu as beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'œil et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes a la nausée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses. Pendant la période de menstruation, vous avez beaucoup de douleurs. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel, mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus et tu vas encore marcher. J'ai dit, tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent, mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as le sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit. Au nom de Jésus, sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, merci pour cette délivrance, Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Nous avons entendu ta parole qui dit que si nous croyons, nous verrons ta gloire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation pendant les témoignages. Avant même que je prie, tu sentais la manifestation, tu sentais la nausée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de menstruation, mets ta main sur le bas-ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital à cause des menstruations. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes, des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et l'esprit d'impudicité au nom de
Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier maintenant, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés. Mais le Seigneur brise le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui est en train de prier pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Toute une famille qui est ensorcelée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lient cette famille. Au nom de Jésus, je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce que le diable a mis dans ton corps sort. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière, tu es tombée par terre. Je donne à ces esprits de sortir de son corps. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus, je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte des mains des sorciers. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu 3 fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21 parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de pleurer. Chaque fois tu mets la main sur le ventre, tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de prier, qui souffrent du cancer, que le Seigneur a guéri. Si tu es en train de prier pour le cancer, aie la foi. Proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre des migraines. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une puissance de guérison, une puissance de délivrance. Même si je ne citais pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur qui est un sacrifice de louange à travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens. Tu ne sens rien, loue le Seigneur. Tu sens quelque chose, loue le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie, loue le Seigneur. Parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a 3 personnes que le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH, commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es l'hépatite B et l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a un homme et 2 femmes qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma, à l'hôpital. Aie la foi que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles, aie la foi. Lâche ces béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui souffre, tu as beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Aie la foi. Toi qui souffres de la VC, il y a quelqu'un qui souffre de la VC. Lève-toi, aie la foi et marche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur. Aie la foi que tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la douleur, une douleur
dans le bas-ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Tu as de pleurer et tu pries pour ton mari qui t'a quitté avec les enfants, qui est avec une autre femme. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Tu as tout fait pour arrêter la drogue. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre de la drogue au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Je parle à ces esprits. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Jésus. Parce que le monde est ton marchepied. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui a fait de courir dans la maison. Tu cours partout parce que tu sens la chaleur, tu sens le feu en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Que ces démons sortent de ton corps. Au nom de Jésus, il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui était liée. Cette famille est délivrée. Vous êtes en train de prier ensemble. Le Seigneur vous délivre. Il vous délivre spirituellement. Il vous délivre financièrement. Il vous délivre matériellement. Au nom de Jésus, tout ce que les sorciers ont fait est détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Deux d'entre eux sentent la nausée. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Vous n'allez pas mourir de ce poison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière et une autre qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de vertige. Tu sens la faiblesse. Tu respires difficilement. Mais c'est la main de Jésus qui te touche. Tu es en train d'être délivré. Il y a une opération de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage. Tu as plein de boutons. Mais le Seigneur te libère, te guérit. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as l'hépatite C, le Seigneur t'a visité. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans le dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le cou, tu as beaucoup de douleur sur le cou, côté droit. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Ayez la foi. Ouvre la bouche. Crie la victoire parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Que tu n'aies jamais eu d'enfant ou que tu aies un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde. Mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche. Il libère. Merci Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu libères. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, aie la foi. Ouvre la bouche. Confesse. Déclare la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Il y a la main de Jésus qui te touche. Toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque, aie la foi. Garde ta main sur le cœur parce que la main de Jésus te touche. Les yeux, toi qui souffres au niveau des yeux, tu sens même quelque chose. Tu sens comme si ça te brûle les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres, un peu au milieu. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent la douleur dans le pied droit. Au nom de Jésus, aie la foi. Aie la foi, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche, aie la foi. Toi qui souffres de l'AVC, il y a quelqu'un qui prie pour un parent, un membre de la famille qui souffre de l'AVC, le stroke. Aie la foi que la personne est guérie. L'infection pulmonaire, toi qui souffres de l'infection pulmonaire, aie la foi. Le Seigneur te touche, aie la foi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Aie la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés mais qui ne sentent rien. Je ne parle pas de votre maladie et vous ne sentez rien physiquement, mais le Seigneur vous a visité. Ayez foi au nom de Jesus. Toi qui as mis ta main sur le sein gauche, aie la foi que le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale, aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux, qui a un problème de glaucome, au nom de Jésus, aie la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses. Les règles douloureuses et abondantes, tu saignes
beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi que le Seigneur t'a délivré, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'estomac, sur le ventre, dans ta main, au nom de Jésus. Tu sens des brûlures, tu sens le feu. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui es en train de bailler, il y a quelqu'un qui baille depuis que j'ai commencé à prier. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette parole qui dit que tu es capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons. Merci pour ta visitation. Il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui a été visité depuis la période des témoignages. Tu es maintenant en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a la délivrance. Tu ne fais que bailler depuis la période des témoignages. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur brise tous les liens. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Une délivrance exceptionnelle. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour cette personne qui est guérie de la constipation chronique. Au nom de Jésus, ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de cette constipation. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet homme qui est délivré de l'ivrognerie, l'esprit d'ivrognerie. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas servir Dieu parce que le Seigneur te cherche. Il cherche ta vie. Il veut t'utiliser pour son royaume. Merci pour cette fille qui est délivrée de l'esprit de l'impudicité. Il y a deux filles qui sont délivrées de l'esprit de l'impudicité et un jeune homme qui est délivré de la drogue au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour les deux femmes qui sont délivrées. Vous êtes attaquées chaque fois pendant la nuit. Il y a des hommes qui viennent coucher avec vous. À partir d'aujourd'hui, que ces esprits fuient au nom de Jésus. Soyez libérés de ces maris de nuit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Tu as de prier. Ça fait quelques semaines que tu pries pour la délivrance de la cigarette. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est la fin. Tu n'auras plus envie. Tu n'auras plus envie de fumer. Alléluia. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de l'infection vaginale. Une femme qui est délivrée de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la fille. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Tu as beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus. Tu as essayé tout. Tu as tout essayé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Même toi qui souffres des migraines, garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur est en train d'opérer. Le Seigneur te délivre, te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens quelque chose sur la tête. Comme s'il y a un clou qui touche ta tête. Mais c'est le Seigneur qui te guérit, qui te délivre. Merci Seigneur. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Je te montre toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a une femme qui est à côté de son mari. Vous venez de passer 14 ans sans enfant. 14 ans dans le mariage sans enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas concevoir cette année même. Tu vas concevoir cette année au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 7 ans. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur pour l'enfant. Si c'est toi, ouvre ta bouche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de faire 3 fausses couches. Si c'est toi qui as fait 3 fausses couches, au nom de Jésus, tu es délivré. Commence à remercier. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Garde ton doigt sur l'œil gauche parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi les 2 personnes, il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate. Aujourd'hui, c'est la guérison. Remercie le Seigneur. Je te remercie pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Exactement là où tu souffres parce que le Seigneur guérit. Il y a beaucoup de femmes. Il y a même des hommes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent qui traverse le dos. Et c'est le Seigneur qui te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de la perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Tu oublies tout à tout moment. Garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Il y a une femme qui a des vertiges tout le temps. Beaucoup de vertiges. Et elle soit la guérison. Je proclame la victoire sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent. Je donne à ces esprits de te lâcher au nom puissant de Jésus. C'est la délivrance. Tous ces esprits, tous ces démons doivent quitter ce corps qui est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a une femme qui souffre, qui a un problème de kyste ovarien. On t'a même programmé pour t'opérer. Mais le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a une autre femme qui a un problème de mauvaise odeur vaginale. Le Seigneur te guérit de ces odeurs au nom de Jésus. Il y a une personne qui est adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Que ça cesse aujourd'hui. J'ai dit que ça
cesse aujourd'hui. Reçois la délivrance. Reçois la victoire. Il y a une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Tu as beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur. Le Seigneur te guérit ton oreille. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Si c'est toi qui souffre des intestins, remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a un taux de spermatozoïde qui est très bas. Au nom de Jésus, que le Seigneur te donne plus. Au nom de Jésus, et ta femme va concevoir. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de nerf sciatique, remercie le Seigneur pour la délivrance. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a une anémie, une femme qui souffre de l'anémie sévère. Que cette anémie soit guérie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite C ou l'hépatite B, au nom de Jésus, sois guéri. Si tu es enceinte, à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants, que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme, ça fait des années que tu souffres de l'asthme. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a deux couples séparément, un homme et une femme, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque deux couples. Au nom de Jésus, je brise cet esprit. Je casse, je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les deux couples. Au nom de Jésus, et il y a deux femmes et une jeune fille qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes liés par la masturbation. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que ce soit votre jour de délivrance. Il y a une femme qui est visitée. Tu es en train de bailler depuis que j'ai commencé et tu es en train de rôter. Le Seigneur te délivre. Tu sens des démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Que toutes les maladies qui sont dans son corps soient guéries. Au nom de Jésus, toi qui es lié, toi qui as été ensorcelé, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à voir. Tu ouvres tes yeux, mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus, je détruis cette cécité. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui sent des douleurs ici au sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui a envie de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer. Et la foi. Il faut avoir la foi que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins, est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos, au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui a envie de prier qui souffre au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans et tu as un enfant de 20 ans et tu as toujours cherché un autre enfant, mais le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu as envie de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur est en train de visiter. Les anges de Je suis sont en train de toucher beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la femme qui souffre des vertiges. Tu as beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement, mais le Seigneur restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi. Le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux filles qui ont des règles abondantes pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup. Tu as beaucoup de douleurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un peu, qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir, tu vas le sentir parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre sur le dos, près de l'épaule droite. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui souffres au niveau du cou, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, deux personnes qui sont guéries de l'estomac. Au nom de Jésus, toi qui as l'insomnie, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH, le sida. Le Seigneur te guérit. Et une autre fille, une femme et une fille. Les deux ont le virus VIH du sida. Le Seigneur vous guérit. Commence
saluer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins, et la foi, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tiens, de prier, mais tu as des fétiches sur toi. Je te demande d'aller les brûler. Il faut brûler ces fétiches. Au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout. Au nom de Jésus, tu écoutes Kanoka, mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus, je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus, toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse. Au nom de Jésus, garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Il y a un jeune homme qui a un problème d'épilepsie. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Tu es en train de trembler. Tes mains tremblent. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Je détruis toute cette puissance satanique. Tu es délivré. Tu n'auras plus d'épilepsie. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont tombées. Un adulte et un enfant. Au nom de Jésus, vous êtes délivré. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de vous lâcher, de sortir du corps qui est le temple de Dieu. Toi qui as mis ta main sur la côte. Au nom de Jésus, côté droit, que cette douleur cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui fait régulièrement le sexe sur le téléphone. Aujourd'hui, tu es délivré. Que cet esprit qui te pousse à faire ça quitte ton corps. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a deux hommes et une femme qui ont été empoisonnés. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Un des trois est en train de vomir. Au nom de Jésus, que cet empoisonnement soit neutralisé. Que tout le plan satanique soit neutralisé. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur vous. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens que tu touches au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main exactement là où tu souffres. Dans le nom de Jésus, tu sens la visitation. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est quelqu'un qui est en train de clouer son dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu sens beaucoup de douleur maintenant pendant la prière. Mais le Seigneur est en train de te guérir. C'est l'opération de je suis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes, deux personnes qui sont guéries du sida. Vous avez le virus VIH. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Et vous allez faire le test et ça sera négatif. Parce que le Seigneur vous a visité. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Tu as mis ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a prié pendant des mois dans cette émission. Tu as été découragée. Tu avais abandonné et tu as repris. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Commence à louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes ces femmes. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 17 ans. Mais le Seigneur te délivre. Et bientôt, tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà conçu une fois et l'enfant est mort dans le ventre. Et bientôt, tu vas avoir un autre enfant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es libéré. Tu vas concevoir. Il y a un autre couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Et un autre de 13 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Et il y a une autre femme qui vient de faire 3 fausses couches. 3 fois, tu as conçu, mais l'enfant n'est pas né. Maintenant, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Et il y a une femme qui est en train de prier pour son mari qui est impuissant sexuellement. Mais à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Je te remercie pour la personne qui est guérie de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. C'est un homme qui souffre de l'hépatite C. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Dans ta bouche, c'est sec. Parfois, tu n'as même pas de salive. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de bailler. Le Seigneur vous délivre. C'est une délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Si tu as l'asthme, commence à remercier le Seigneur. Toi qui as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille, mets ta main sur l'oreille qui te fait mal. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil. Partout, tu es en train de dormir. Tu dors partout. Tu as le sommeil partout. Au travail, tu as le sommeil. À la maison, tu as le sommeil. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es visité et tu es délivré. Tu vas avoir un sommeil normal. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens aucune manifestation. Même si je ne citais pas ta maladie. Et la foi. Ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Un homme qui sent des douleurs au niveau des testicules. Tu es visité et tu es guéri. Il y a une femme qui a un saignement continu. Tu saignes tout le temps. Tu es en train de saigner. Mais le Seigneur te visite. Tu es libéré. Il y a
quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est touchée et deux personnes qui ont mis les mains sur elle. Tu es guéri. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre d'une migraine. Tu ne peux même pas tenir devant la lumière. Mais à partir d'aujourd'hui, ces migraines sont guéries. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, ta chevelure est restaurée. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Un homme qui souffre de l'Alzheimer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres du diabète. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Loue le Seigneur pour ça. Je détruis tous les plans de Satan. Je te remercie, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui sont visités. Merci pour cette femme qui souffre de la dépression que tu as guérie. Tu l'as visitée. Toi qui prie pour la dépression. Si tu souffres de la dépression, garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Merci. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières de samedi. Si tu as un enfant qui est né à travers cette prière, au nom de Jésus, je te demande de mettre ta main sur l'enfant. Je protège cet enfant au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont nés à travers cette prière, qui sont menacés par le diable. Je détruis tous ces plans au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour la protection divine. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui est délivrée. Toute une maison. Au nom de Jésus, que cette sorcellerie, que tous les plans, tous les liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. Le Seigneur délivre une famille entière. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a une femme qui crie la nuit. Chaque nuit, tu cries. Il y a beaucoup de cris pendant la nuit. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus soit avec toi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as visité ces deux filles. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait des samedis que vous priez pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Vous allez rencontrer les hommes que le Seigneur lui-même a préparés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces démons la lâchent. J'ordonne, je parle, je m'adresse à ces démons, ces esprits qui sont dans ce corps, qui est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 12 ans. Si c'est toi qui viens de passer 12 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans dans le mariage. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur pour la visitation. Si c'est toi, il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Tu viens de prier pour un enfant et bientôt tu vas avoir des jumeaux. Et quand tu auras ces jumeaux, il faudra témoigner pour le Seigneur. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois depuis que tu es dans le mariage. Et 5 fois les enfants sont morts dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas concevoir un enfant qui va naître. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, beaucoup de douleurs au niveau du dos, côté gauche, en bas. Mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance, il y a la main de Jésus sur toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Et la foi, et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins, toi qui souffres du cancer, du foie, le Seigneur t'a visité. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Si c'est toi qui souffres du cancer, du foie, et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur pour les deux personnes qui sont guéries des migraines. Vous avez des migraines. Tu ne peux pas supporter les bruits. Tu ne supportes pas la lumière. Mais le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui est guéri du pancréas. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a une femme qui souffre de l'absence des règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons de tout le corps. Pendant que je prie, tiens, te gratter partout. Tu sens les démangeaisons. Le Seigneur te guérit. Il y a des liens ancestraux. Il y a des liens générationnels. Dans le nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre des yeux. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Et un autre enfant qui souffre de bronchite. Le Seigneur te guérit. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant, prie avec moi. Et la foi. Si tu as avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a 3 personnes qui ont le virus VIH, qui ont le sida. Le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH. Et la foi. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation.
si tu souffres de la constipation et la foi que le Seigneur t'a visité, il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Si tu as un problème de nerf sciatique, mets ta main, garde ta main sur la cuisse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui sentent de douleur au niveau du corps. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Si tu souffres de l'impuissance sexuelle et la foi que le Seigneur te guérit, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur, merci, 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 parce qu'il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Une femme qui vient de passer des années en souffrant des hémorroïdes, mais le Seigneur t'a guéri. Toi qui as des vertiges tout le temps, ça fait plus d'une semaine que tu as des vertiges, tu es guéri. Toi qui as mis ta main sur le cou, côté droit, garde ta main sur le cou parce que le Seigneur te visite. Il y a un homme qui est à l'hôpital, tu es en train de prier, tu écoutes la prière, tu es dans l'hôpital, le Seigneur te délivre, tu vas sortir de l'hôpital, tu vas sortir vivant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie, tu as beaucoup de crises d'épilepsie, le Seigneur t'a délivré, tu sens le feu dans ton corps, le Seigneur te délivre, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer, qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance, il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille, vous avez perdu votre fille, vous avez cherché partout, mais le Seigneur vous ramène votre fille au nom de Jésus. La main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur, merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous attendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui prie pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que Jésus lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait deux tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui prie pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui, tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui portait même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup, mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse, mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. Deux personnes qui portent le virus VIH, vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande Seigneur de tendre ta main et tends ta main. Touche à tes enfants, touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main
main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident, tu es paralysé, tu n'arrives même pas à marcher, mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont tombées par terre, une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps, quitter le temple de Dieu, libérer les enfants de Dieu au nom de Jésus. Vous avez été visités. Je te demande, je suis de tendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de tite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux femmes qui sont guéries de l'infection vaginale au nom de Jésus. Il y a une des deux femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guérie. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit. Merci pour cet homme que tu délivres. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi qui souffres de l'insuffisance rénale, ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce que la main de Je suis t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la force. C'est comme un vent qui te touche parce que le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont dominées par l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que vous voulez vous suicider, mais je parle, je m'adresse particulièrement à l'esprit de suicide. Lâchez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Vous allez vivre, vous n'allez pas vous suicider. Que cet esprit vous lâche au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier avec moi et tu as un problème, tu souffres du cancer, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance, parce qu'il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'alcoolisme. Tu as tout fait pour être délivré de l'alcoolisme. Tu es attaché à l'alcool, mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre, quelqu'un qui se roule par terre, parce qu'il y a des démons qui fuient. Il y a des démons en toi qui ne supportent pas la présence de Jésus. Je m'adresse à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Quittez le temple de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour ta visitation. À toi l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te montre ces trois personnes. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent de l'hypertension. Vous souffrez de l'hypertension. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es visité au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur opère. Tu sens quelque chose. C'est comme quelque chose qui te picote sur le ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est assis. Tu as mis deux mains sur tes deux genoux au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a un homme qui a un problème de rein. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres de diabète, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Chaque fois avant de manger, tu dois prendre de l'insuline. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Ton corps dégage toujours de mauvaises odeurs. Tu as tellement honte d'être dans le public parce que ton corps dégage, même si tu mets des parfums, même si tu mets n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. C'est la délivrance totale. Merci Seigneur de délivrer mon frère au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber parce que tu as été visité. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu bailles et tu rôtes. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, que ces esprits, que ces liens te lâchent, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier, qui a mis ses deux mains sur la tête. Tes cheveux ne font que tomber. Tu as déjà une calvitie. Tu es une femme, mais tu as une calvitie. Le Seigneur restaure ta chevelure. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Vous avez le sida, mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Si c'est toi qui as le sida, aie la foi. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as prié pour un enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant qui prie avec moi, aie la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un enfant qui a de l'allergie au lait. Tu ne peux pas supporter le lait. Tu ne peux pas boire le lait. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Le lactose n'a pas de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Un autre est allergique
allergique au pollen. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Si c'est toi, mets ta main sur les yeux. Il y a un autre homme qui a enlevé les lunettes. Tu veux marcher sans lunettes. Aie la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un visage plein de boutons. Si c'est toi, garde la main sur le visage et remercie le Seigneur. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur te visite. Toi qui souffres de l'incontinence urinaire, aie la foi. Tu es libéré. Tu n'arrives pas à stopper. Quand tu as envie d'uriner, tu ne peux pas arrêter ça. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu as envie de dormir. Tu ne peux pas te contenir. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as un problème de règles douloureuses. Pendant la période de menstruation, tu souffres. Tu as beaucoup de douleurs. Parfois, tu vas même à l'hôpital pour avoir des médicaments. Mais le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui as un problème de règles, tu saignes. Il y a beaucoup de saignements. Au nom de Jésus, tu as beaucoup de saignements. Une femme qui a beaucoup de saignements, qui ne s'arrête pas. Ça fait des mois. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir du pied droit. Et cette chaleur monte dans le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens sataniques, les liens ancestrales qui sont brisés maintenant même pendant la prière. Tu sens le feu qui monte en toi. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Il y a la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme empoisonnement, ça n'a pas d'effet. C'est neutralisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui se roule. Il y a une femme qui se roule, qui est par terre. Il se roule par terre. C'est le Seigneur qui te délivre. Je parle à ces esprits. Je m'adresse à ces démons. Sortez de ce corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la fille de Dieu. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ces démons soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de place. Tu es délivré. Je dis, tu es délivré. Si tu m'entends, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'esprits d'impudicité qui fuient. L'esprit d'impudicité et de masturbation qui sont en train de fuir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une famille, toute une famille qui est délivrée. Une famille qui est délivrée. Ils avaient été liés pendant des décennies. Mais le Seigneur brise ce lien satanique. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur la côte droite. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Le Seigneur visite beaucoup de familles dans les quatre coins du monde. Et la foi ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les femmes. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 12 ans, c'est ton jour de délivrance. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 8 ans en couple. Vous avez passé 8 ans sans enfant. 6 ans, 13 ans. Remercie le Seigneur. Si vous êtes en train de prier avec moi, remercie le Seigneur. Garde la main sur le ventre parce que le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 24 ans de stérilité et la foi. Alléluia. Le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour les deux femmes qui viennent de passer 20 ans de stérilité. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Si tu viens de passer plus de 10 ans de stérilité, mets ta main sur le ventre et confesse. Alléluia. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur pour la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a beaucoup d'enfants qui vont naître. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a deux femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous délivre et vous allez concevoir. Toi qui viens de passer plus de 45 ans, tu étais désespéré. Tu voulais avoir un autre enfant. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a une femme qui a un enfant de 18 ans. Mais le Seigneur va te donner un autre enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Et la foi que tu es guéri. Il y a trois personnes qui souffrent du cancer. Parmi les trois personnes, il y a une femme qui a un cancer de l'utérus. Et la foi que tu es guéri. Si c'est toi qui as le cancer, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a deux hommes et deux femmes qui sont guéris du diabète au nom de Jésus. Il y a une femme qui perd l'équilibre et qui tombe par terre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a une forte fièvre. Tu as une forte fièvre. Ça ne diminue pas, mais le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Ton nez saigne tout le temps, mais que ça cesse. Je dis que ce saignement cesse. Il y a aussi une femme qui est dans les règles depuis des mois. Il y a un saignement. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que tu aies des règles normales. Au nom de Jésus. Il y a une jeune fille qui souffre de la méningite. Tu es guéri. Toi qui pries pour elle, garde ta main sur elle. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. C'est ton jour de délivrance. Toi qui souffres d'hépatite C depuis des années, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur ton tibia parce que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de la constipation. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Le Seigneur guérit ton enfant qui souffre de l'autisme. Il y a trois personnes qui sont guéries du VIH, le sida. Toi qui as le VIH dans ton corps, je veux que tu saches que ton corps n'est pas la place du VIH. Le VIH n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le cancer n'a pas de place dans le temple de Dieu. Le diabète n'a pas de place dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéri au nom de Jésus. Merci, merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'insuffisance rénale. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de la constipation depuis des années, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Tu n'arrives même pas à marcher. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, lève-toi, sors de la chaise et marche. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci pour le feu. Il y a des gens qui sont en train de brûler du feu du Saint-Esprit. Vous êtes libérés. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation au niveau du dos, côté droit. Tu sens comme si quelqu'un te clouait. C'est le Seigneur qui te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a une guérison. Le Seigneur visite. Il y a la main de Je suis qui visite beaucoup de gens pendant cette prière. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. L'une est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces personnes. Je condamne, je prends autorité sur ces démons. Les démons qui sont dans ces corps, quittez ces corps. C'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Le Seigneur te délivre d'une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu as envie de casser toute chose. Que cet esprit sorte de ton corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est possédé. Chaque fois que tu dors la nuit, tu es en train de crier. Tu cries la nuit. Chaque nuit, tu fais du bruit parce qu'il y a des esprits qui sont en toi qui doivent sortir. Je donne à ces esprits de quitter ce corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette personne. Il y a quelqu'un qui est sur une béquille. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Lâche ces béquilles et marche. Je dis lâche ces béquilles et marche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'addiction à la drogue. C'est un jeune qui prend de la drogue, mais tu veux abandonner. Tu essaies, mais ça ne marche pas. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la main de Je suis qui te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est délivrée de l'alcoolisme. Esprit d'alcoolisme. Un homme qui souffre de l'alcoolisme. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es libéré. J'ai dit aujourd'hui tu es libéré. Et la foi. Deux personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous délivre. Vous avez mangé du poison, mais vous êtes délivré. Il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es une femme qui est en train de prier pour un enfant, garde ta main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Dans le nom de Jésus, tu es visité. Commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour le miracle. Tu vas bientôt concevoir. Toi qui viens de passer 18 ans, le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 9 ans en couple, qui vient de passer 9 ans, la main de Je suis est sur toi. Toi qui viens de passer 11 ans, tu as conçu deux fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais maintenant tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une femme qui vient de prier en pleurant, ça fait 8 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur te visite. Il y a un jeune couple, vous venez de passer 4 ans dans le mariage. Le Seigneur va vous donner un enfant. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, qui met sa main sur ton ventre, ayez la foi. Ouvre la bouche. Toi qui demandes un enfant, ouvre la bouche. Parle de sa grandeur, parle de sa puissance, parle de son éternité. Il est fidèle. Merci Seigneur. Il y a une femme qui entre de prier pour un enfant, mais elle est déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Il y a une autre femme qui vient de passer 19 ans. Le premier enfant a 19 ans. Et tu veux un deuxième enfant. Ça n'a pas marché, mais tu vas concevoir pour une deuxième fois. Et tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui vont concevoir et qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Rien n'est impossible. Ce qui est possible aux hommes est possible à toi. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de cette personne qui est paralysée. Tu étais paralysé pendant plus de 10 ans.
tu ne pouvais pas marcher, tu ne pouvais pas te lever, mais le Seigneur te visite à partir de ton lit. Lève-toi, lève-toi, lève-toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ces deux personnes qui souffrent du VIH sida. Le Seigneur vous délivre, vous êtes guéri. Toi qui souffres du sida, toi qui as le virus VIH, ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est guéri de l'hypertension artérielle. Toi qui souffres de l'hypertension artérielle, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la personne qui souffre de la perte de mémoire. Tu oublies tout le temps, mais le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie du cancer. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer au stade terminal. Un homme qui est désespéré. Les médecins ont abandonné. Mais ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur et marche au nom de Jésus. Merci pour ces enfants qui sont en train d'être guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour un enfant qui a des blessures sur la tête et la foi. Mets la main sur ton enfant et remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a deux femmes qui souffrent d'une infection vaginale. Si c'est toi qui souffres d'une infection vaginale, ouvre la bouche parce que le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur le genou, tu as beaucoup de douleur, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Mets ta main sur le dos et la foi. Le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus et la foi, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a trois personnes qui souffrent du diabète. Vous souffrez du diabète. L'une de trois personnes a même perdu la vue. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ayez la foi. Rien n'est impossible. Je suis. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine. Tu as des douleurs au niveau de la poitrine. Et la foi, le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau de l'œil, tu as beaucoup de douleurs au niveau de l'œil. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de l'hépatite B. Et la foi, le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'anémie, le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Au nom de Jésus, je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti comme manifestation, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries que je n'ai pas citées. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont senti aucune manifestation, mais le Seigneur vous a guéri. Je demande à tout le monde de remercier. Louez le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour ta grandeur. Nous te louons pour ta puissance. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.